PFP Picnell, Penzoy, les fermes Beauregard et Camillon 132, les commentaires de l'équipe de course numéro 1 de Sorel. L'équipe de course Real La France, numéro 11, modifié, commandité par Ashcorto Transport. Et en premier programme, d'ici la fin de la saison, le son, on vient de noter. Bonne fête, l'autre anniversaire de naissance a souligné celui de François Camiran. Alors, bonne fête à François Camiran. On dit que mon assistant aussi, Gaston Sapin, c'est son anniversaire de naissance hier. Mais promis pour vous dire son âge. Ça me dit de le dire, mais vous le direz bon. Je vais jouer un petit délire parce que moi aussi, c'est un délire. Le 57, Jerry Baton, donc part avec la pole position et conduit la voiture Saint-Germain Transport SGT. Le 30 août, le samedi 30 août, fin de semaine, la fête du travail, pour le 25e Molson Canada USA et la présence des MTR Super Sprint. Ben, tout le monde est là, c'est le grand festival de fin de saison, samedi le 30 août. Voiture officielle, commandité par Daniel Beauchamp d'Automobile, DD Automobile, du boulevard Lemire, ici à Drummondville. Et là, le signaleur est actuellement indiqué au pilote, drapeau blanc en main, qu'au prochain tour, il effectuerait le départ. Bonne soirée! Agent 3, Robin Allais, part en troisième position, il est de Drummondville. Le 61 et Louis Boutillier de Roxton Falls. La voiture 77 et Alain Mathieu de Sainte-Sabine. Lui qui va rejoindre. À ce championnat des super bolides du Québec. Les volontaires en numéro 4, mesdames, messieurs. On accélère. Et... Gary Baton, rapidement s'en va la première place en deuxième.
délégation sportsman de retour dans quelques instants. Les voitures attendent dans la pause grille. Qu'est-ce que de Bretter? Non pas par ce que j'ai dit auparavant, mais payé par SGT 2000. De Nicolas, commandité par les Brasseries Molson du Québec. Alors, voiture officielle à l'Émilien, mesdames, messieurs, on se présente au devant numéro 4. Deuxième course. On accélère Super Sprint.
Et en fait, toutes les catégories seront de ce programme, les modifiés, les sportsmen, les récents modèles. Tout le monde va être là. C'est le 30 ou samedi soir, le 30, week-end de fête du travail, en cas de mauvaise température le lendemain. Oui. Les cinquièmes, c'est très bon. On peut dire que ce ne sont pas des reculés, Dominique et David, mais presque. Et David Hébert, ben ça, Gaston, on l'a dit, on l'a répété. Alors, il faudra surveiller ce soir, naturellement, tous les autres aussi, parce que... Les sportsmen pour la pige se présentent à la balance, s'il vous plaît. Les pilotes sportsmen pour la pige, pour la finale, se présentent à la balance. Les pilotes sportsmen. Avec le système de points.
bataille pour les positions de départ puisque c'est un championnat. Alors, les positions impaires dans le fond de points ont été la première qualification. Là, ce sont les positions paires dans la course au championnat qui ont déterminé les positions que vous voyez sur le circuit actuellement. Les mini-sprints du coup. LP2, Marco Pontet part avec la pole position. Le 44 est Éric Boisvert de Saint-Monique.
Pour réchauffement, adaptation au circuit à la pause grise.
Par les 12 premiers, ça a été choisi ça au hasard parmi les 12 qualifiés.
compagnie de Costa qui sont ici ce soir en plus. Thank you.
position. Vivra dans cette catégorie, alors les sportsmen vont présenter la poterie. Le grand de course présenté par Molson X. N'oubliez pas que les courses, hein, on vous attend au bar motel Drummond.
terminer avec la 12e position. Alors c'est lui qui va partir en tête dans la deuxième finale. Pour expliquer la 12e. Voilà. Quelle belle course il a fait. Recrue de l'année l'an dernier. Donc à sa deuxième saison seulement chez les Mâles, Dominique Dupont de Sainte-Victoire remporte la victoire. Les sportsmen attendent de quitter la voiture. On applaudit, mesdames, messieurs. Thank you.
à nouveau deux marqueurs. Oh!
passer parce que...
donné. Cette voiture ici s'est heurtée au tournant dans le numéro 1. On n'a pas le choix. Alors on va les arrêter ici devant, là, je pense qu'on va les replacer en position. On n'a aucun tour de complété. Voiture numéro 7, qui est dans du mal. Gagnante du moitié-moitié, Véronique Perron. Alors c'est un nouveau départ naturellement. On ne va pas compléter le moindre tour. Thank you.
on a l'impression. Le méchant travail d'équipe. Surtout, je voudrais féliciter, là, même si elle manque un ce soir, j'aimerais bien féliciter toute l'équipe et tous les commanditaires qui m'aident à réussir tout ce qu'on fait. Alors, bonne chance pour la belle saison, Alain.
Corbin Vittel. Un beau stock car, lui aussi, à 99. Il faut dire chez les récents modèles, l'esthétique y est pour beaucoup. Et c'est vraiment une très, très belle voiture que pilote cette voiture-là, ce pilote-là. Il faut savoir lui rendre hommage. Dominique Roy de Norbertville. On applaudit, mesdames et messieurs, le champion des super bonnets de récents modèles, Dominique Roy. C'est une victoire qui est vraiment, qui arrive à point pour toi. Oui, c'est bien encourageant. Le travail d'équipe? Oui, merci pour toute l'équipe en passant. Félicitations, Dominique. De Roxton Falls, de 55, de 27, et Steve Hayes de Drummondville. Femme dans une couple de semaines, là. Mais jamais on a eu une pilote régulière. Il est maintenant, il est devenu la première de l'histoire. On le drôme vraiment dans 47 ans. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, les motifs ont demandé la pause. Thank you.
tête qui est tout près, là, c'est...
Sois couronné champion et croyez-moi, il ne l'a pas volé. Oh, quelle finale! Thierry Jean est pris, je ne sais pas là ce qui se passe exactement. Oui, c'est ça, c'est semblable. J'avais encore une super belle position de partir. Sans fin, là, je commençais à avoir hâte que ça termine. Je pense que mes pneus commençaient à tenir un petit peu moins. On est dans la version incroyable parce que quand tu prends la faute, c'est difficile à dépasser par après. C'est ça, j'essaie de maintenir ma groupe et je crois que ça marche. En tout cas, pour la deuxième fois, ça a marché cette année. Félicitations pour le succès pour le reste de la saison. Merci.